Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Good morning pour tout le monde. Nous sommes en pleine matinée et ce soir je pars à Dubaï. Et d'ailleurs, c'est mon premier vlog pour ma chaîne YouTube. Et oui, nous sommes le 18 octobre 2020. Bon, je viens de me réveiller. Du coup, là, je vais partir chez le coiffeur histoire de se faire propre avant le grand voyage à Dubaï avec l'équipe Smile. Let's go! Non, je rigole, au passage, en fait, j'avais déjà préparé ma lampe, etc. à faire genre c'est le matin, mais il est déjà 14h, les gars. Donc, moi, je vais chez le coiffeur encore. Et oui, on va se faire un PG. On va tous vous pêcher à Dubaï, mais avec les sacrés! Les Dubaïanaises! Les Dubaïanaises! Attends, ça se dit ça, les Dubaï? Comment on appelle les Dubaïens? Comment? Les Dubaïens, les Dubaïen. Les Dubaïens, les Dubaïnaises. Bon, je vais chez le coiffeur. Bon, la famille, vous savez pas ce qui se passe là? J'étais en train de partir chez le coiffeur en trottinette, t'as capté? Et là, je vois une grosse manifestation devant moi dans la rue! Oh, c'est chaud! Criez quoi depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation. Régularisation de sans tous les papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Allez, tous ensemble, 3, 2, 1. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. 1, 2, 3, vive la série. Bon la famille, cette fois-ci je suis vraiment venu chez le coiffeur. Je me suis évadé de la manifestation. Bref, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce salon. C'est la Maracan. C'est ici que je viens chaque semaine me faire une petite mise à jour. Bon, je vais vous les présenter. C'est ici que tout se passe. Le salon de coiffure, la Maracan. Lui c'est mon boss, je bosse pour lui. Voilà, lui c'est le manager. Non, je rigole, en vrai, c'est lui qui bosse pour moi. Il trouve que des contrats, frère. Lui, c'est le big boss du salon. Hey, lui, c'est le... avec lui. Hey, il va pas venir. Viens avec toi. Lui, corona, c'est corona. Le... Oh non, c'est là, faut pas faire ça. Non, on a un masque. Vous voyez, lui, c'est le vieux le plus fou que je connais. Non, non, arrête de faire ça. Vous avez vu comment il nous accueille au salon? Eh, hey, les gars, bon, c'est ici que tout se passe. On va faire une petite mise à jour. Là. Let's go. Voilà la famille, maintenant que je suis frais, on va rentrer à la maison. Et voilà, j'ai sonné. Est-ce que Boris est à la maison? Est-ce que Boris Becker va répondre? Attention, dans 3, 2, 1. Ah ouais. Lui, il ouvre la porte sans même demander c'est qui. Hello! On est dans mon premier vlog avec Boris Becker et Monsieur Neil. C'est à la maison. Vous faites quoi? Vous faites un TikTok? Ouais, mes frères, déjà. Déjà moi j'ai un truc à te dire. J'ai un truc à te dire, t'as ouvert la porte sans même demander c'était qui, frère. Il y a des voleurs, ils peuvent sonner et rentrer. Et puis on me dit ouais c'est Boris qui m'a ouvert la porte. Droit à l'image. Frère, tu fais des pranks, tu filmes tout le monde dans la rue, c'est pas à moi que tu dois dire ça. Et nous sommes à la maison. Oh merde, j'ai montré ma rue. Bon, il ne me reste plus qu'à faire ma valise et ensuite c'est carré. Tout est carré comme en Corée, ouais c'est bon. Et voilà la famille, je viens de finir ma valise et mon sac à dos. Et là, bon, ma valise, c'est pas une valise de luxe comme vous le voyez. Mais bon, j'avais pas trop le choix. La valise est prête, moi ici je suis prêt, mon Uber m'attend et let's go Dubaï. Hey, Uber, il m'a dit qu'il était là, mais il est même pas là, il m'a mis un faux plan je crois. Ah non, je vois une lumière là-bas, attendez, je vois des phares, je pense que c'est lui. Je vais aller vers lui. Et si c'est pas lui, j'aurais le seum, je marchais 100 mètres pour rien. Bonjour monsieur, est-ce que c'est bien vous l'Uber? Ah, alors on va mettre la valise derrière tout de suite. Bonsoir tout le monde. Je vais à Dubaï. Voilà Paris, il s'en bat les steaks. Je peux monter avec toi devant? C'est bon, je vais juste enlever mes affaires. Yeah, il est cool le Uber, il me laisse monter devant. La gueule de ta, je suis feu, direction Dubaï. Avec le Uber musclé. Il veut pas décontracter son muscle. Toujours le triceps, il doit être contracté durant la vidéo. Très très important. Merci beaucoup chef. Frérot. En tout cas, à la prochaine. Bon, merci bon beaucoup. Voyage. Merci beaucoup, on est ensemble. T'es le meilleur bro. T'es le meilleur bro. Bon bref, là je vais aller rejoindre l'équipe. Normalement, bah, dans l'équipe, il doit y avoir Acrobat, Vargas, Riyad, Benito, Radoudou et Gallo, le fondateur de l'équipe Style. Oh shit, d'ailleurs il est là. Juste en train de parler de toi, je te promets. Je disais que c'était toi le boss et tout de l'agence et tout. C'est lui qui paye tout, c'est lui qui nous fait croquer. C'est lui qui nous paye tout, je répète. Ah, c'est là-bas? Ok. Ah là là, la gratuité. Mourad, je savais pas que tu venais. Mourad est dans la place. Oh, Mourad. Je savais pas que tu venais, je te jure. On va tout casser à Dubaï. Et Dubaï, vous êtes même pas prêts.
vas-y. Salam frérot, comment ça va? Tu vas bien? Le boss de Dada Drinks. Ah, le boss de Dada Drinks, c'est lui, ok. Le multimillionnaire, c'est ça. Salut, comment ça va? Hello. Je suis en train de vlogger en fait pour ma communauté. Oh là là là, juste rien de dans la maison. Si, comment ça va? Ah, c'est ta famille? Ouais, c'est ma famille, frère. Ah ouais? Ah bah voilà, il y a toute la mise. Il y en a trois de plus. Benito est présent. Bon, un peu trop tard, mais c'est pas grave. Aïe aïe. Je vais démonétiser. C'est ma première vidéo, je vais démonétiser. On pense à l'argent dans ces cas-là, ok? L'argent. Donc voilà, on va mettre des bips. On est là, tiens. Dubaï. Tiens l'oseille. Aïe aïe aïe. On va délirer durant tous les séjours à Dubaï. Oh là, t'es venu comment? Dis-nous tout. T'es venu comment? Je suis venu en roller. Ah, c'est pour ça qu'il est venu en retard de 15 minutes. Let's go direct to Dubaï. Dubaï! Tu me fais ça, ouais? Bon, voilà la famille. Là, nous sommes en train de décoller direction Dubaï. Voilà, on est assis à côté de Riyad et Benito. La Benitim. Alors, en fait, là, on voyage à bord du A380. C'est un avion qui est utilisé pour les longs courriers. Donc, tu sens pas le vol, tu sens pas le trajet. Là, on a même pas senti le démarrage. Non, j'ai pas pété. C'est toi qui as pété? C'est Binto qui a pété, frère. Vas-y, les frères, commencez même pas. Non, les gars, commencez pas à ça, frère. Bon, je pensais que j'allais balancer l'applaudissement, mais en fait, j'étais tout seul. Ah non? Quand j'atterris en Turquie, généralement, j'applaudis, tout le monde me suit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le bled. Bon, à Dubaï, ben, apparemment. Bref, je me suis tapé la honte. J'arrête, je coupe la caméra, je coupe. Je vous explique, là, on vient d'atterrir sur Dubaï et Mourad, il a déjà perdu son passeport. J'ai une idée, c'est Radu qui me l'a volé et je vais m'embrouiller avec lui de fou. Lui faire croire que, en gros, j'ai peur, je suis inquiet. Restez branchés, okay, 3, restez. 2, 1, go. Du coup, lui, il pense que c'est Radoudou qui l'a pris son passeport. Pour faire une blague, là, on va voir tout de suite. Moi, je vais déjà aller chez Radoudou. Et si je suis pas avec toi, peut-être qu'il va me dire la vérité dans la caméra. Je vais aller joindre Radoudou, t'inquiète. La vérité, je sais même pas c'est qui l'a pris. Je sais pas s'il a vraiment perdu son passeport ou ils l'ont pris pour blaguer ou quoi, mais on va le retrouver, hein, c'est sûr. Bon, les gars, il y a un petit problème là. C'est quoi? Il y a Mourad qui a perdu son passeport. Ok? Lui, j'accuse Radoudou. Lui, il dit que c'est Radoudou aussi. Oh oui. Donc, est-ce que vous pensez aussi que c'est Radoudou qui a pris son passeport? Sûr et certain. Et s'il l'a vraiment perdu? S'il l'a perdu, c'est la merde. On va aller voir Radoudou tout de suite. Bah, c'est toi qui as le passeport de Mourad ou pas? Non, je l'ai pas. Jure. C'est pas toi qui l'a? Non. C'est toi. C'est quelqu'un qui m'a volé la blague, ni moi. Là, il l'a vraiment perdu alors? Oui. Oh, il est mort. Bon, bah, Mourad, tu devras retourner sur Paris. Hein. Mais moi, je l'ai pas. Je l'ai pas. Attends, Halef, que c'est pas toi? Oh, Allah, Allah, c'est pas moi. La famille, il a arrêté l'islam, il sent pas les reins. Voilà. Ne touche pas, Non, on te fouille. Ne touche pas. Même moi, il me fait plus confiance. C'est moi, je t'ai dit, viens, on va dans l'avion, on va chercher le passeport. Déjà, tu prends mes chewing-gums. Ah, tu l'as vu? C'est lui le voleur en vrai, vous avez vu? Même Gallo, il est suspect, frère, c'est un truc de ouf. Vas-y, là. En plus, le pire, c'est que c'est lui qui l'a pris, c'est lui qui fouille tout le monde. S'il n'y a pas mon passeport, ouais, on rentre tous, vous solidarité. Ça, c'était la meilleure blague de l'année, par contre. Bon, sur ce, la famille, nous sommes en direct de Dubaï et nous avons terminé notre premier épisode de notre premier vlog. Donc voilà, malheureusement, Mourad n'a pas pu venir avec nous parce qu'il a plus son passeport, il l'a vraiment perdu. C'est pas une blague que quelqu'un a fait de l'équipe. On va l'attendre dans la villa, on va voir ce qui se passe, on va prendre plus d'informations. Mais je vous attends tous à voir ma prochaine vidéo, partie 2 du vlog. Bon, la famille, n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et un maximum de commentaires. On check tout avec toute l'équipe juste après. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy, 767, man, this shit got double bedroom, man, I still got scores to settle, man, I crept down the block, ain't alright, yeah, I'm not gonna lie, 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 yeah, I'm not gonna lie,